Salut les gens, ici Kulo Kalasu et aujourd'hui on va faire l'ouverture d'une GEB01 Cosmic Roar. Donc il faut savoir que j'en ai eu 4. On va faire l'ouverture que d'une seule et derrière je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu sortir dans les autres. Donc voilà, donc on va commencer. Je vais le DeFi était pour là. GEB02. Alors, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 5, et donc on va commencer. Premier paquet. Tac. Alors, donc la Légion Zil, donc c'est une R, on va la poser ici, comme une je l'y pose dans le coin. Deuxième paquet. Première. Triple R, grand galop, d'accord, bon bah voilà, maintenant on sait la triple R de la boîte, ça va être grand galop. Il nous reste à savoir du coup les double R, les trois double R qu'il y aura dans le B. Oups. Deuxième paquet, je vais pousser vers là-bas. Tac. Une R Cosmic Hero Grand Rope. D'accord. Tac. Troisième paquet. Quatrième paquet, pardon. Oula, je commence à. Bon, il est pas tard, il était là, il doit être 19h passé à peine. Et double R Cosmic Hero Grand Beat. Ouais. Le trigger, le crit de toutes les blagues. Et sinon. Tac, tac, tac. D'accord. Donc il nous reste deux double R là sur 5 paquets, on a déjà sorti la triple R et une des 3 double R. Je vais y arriver. Donc une R, Cosmic Hero, grande sub. Tac, un paquet et en restant. D'accord. Tac. Là, on commence là. On a commencé la deuxième. Deuxième colonne. Tac. Alors. Et donc on a une R Digest. Dimensional robot Digest. Alors. Double R, Cosmic Hero Grand Guard, c'est le Perfect Guard de nouvelle génération, donc quand il y en a déjà un dans la drop zone, quand elle est posée en Guardian Zone, ça nous permet de deflip 1, je crois. Oui, c'est ça. Tac. Donc deuxième double R, bon là, en 7 paquets, on a déjà sorti la triple et deux des 3 double R du booster, donc... Le suspense sera pas énorme à mon avis, à moins qu'on ait la dernière double R dans le dernier paquet. Voilà. Et donc une R, la Légion Zil. Une R, grand wagon, Cosmic Hero, grand wagon. Donc là on arrive au dixième paquet. Et une R Dimensional Robot Digest. Tac. Allez, dernier top 5. Et donc dernière double R, Dark Superhuman Omega.
Donc voilà, on a déjà sorti toutes les grosses raretés. Donc pour rappel, Dark Superhuman Omega qu'on vient d'ouvrir, Cosmic Hero, Grand Guard et Grand Beat pour les double R et Grand Galop pour la triple R. Donc là maintenant on va sortir sur les quatre derniers paquets que des R. Allez, tac. Et Grand Sub. Cosmic Hero, Grand Sub. J'en ai partout des paquets. Allez. Le Crit Metal Borg. Oui, j'essaye d'abréger un petit peu parce que c'est vrai que là maintenant que toutes les raretés sont sorties, il n'y a plus grand intérêt à rester. Grand drop. À continuer le suspense. Hein. Bon, juste après, on verra. Vous allez voir sur la vidéo. Moi, il faut que j'ouvre tout le restant des paquets. Ce qu'on aura sorti d'ici là. Et du coup, Metalborg, Baron Grader. Voilà. On se retrouve à tout de suite pour toutes les raretés. Relégeant. Donc, on va voir tout d'abord ce qu'on a sorti en triple R. Donc là, je suis plutôt content parce que sur 4B, du coup, j'ai sorti deux Dyerf. Sachant que j'en avais déjà récolté un à la preview à Nancy, lors du CRC. Du coup, je suis un peu deg, il m'en manque un pour pouvoir faire deux fois son skill. Bon, ben, tant pis, hein. Voilà. Ensuite, j'ai récupéré un Cosmic Hero X-Tiger. J'allais me planter. X-Tiger. Et un Grand Galop Cosmic Hero. Great Cosmic Hero Grand Galop. Donc voilà, pour l'instant, en triple R, c'est sur les 4B. Je suis plutôt satisfait, on va pas se mentir, d'avoir pu récupérer au moins deux Dyerf. J'en aurais voulu un petit troisième, mais tant pis. Ensuite, en double R, donc on a sorti 3 Dark Superhuman Omega. Bon, je suis pas spécialement fan, mais c'est vrai que pour ceux qui jouent Zeal ou même, même un Reverse Zayusha, ça peut être intéressant. Au niveau après des Cosmic Heroes, on a sorti deux Super Cosmic Heroes X-Falcon. Voilà, donc on a également sorti deux Grand Fire, deux Grand Guard, là je vais y arriver, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, j'ai trois Grand Beats. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit déballage, moi j'en suis satisfait. Et du coup, on se retrouve sur ma chaîne pour d'autres prochaines vidéos. Voilà.